Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un, j'ai dit, acclamer pour Jésus? Pas pour acclamer pour Merkel ou quelqu'un d'autre, mais pour Jésus. Amen. C'est un jour glorieux que le Seigneur a fait. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce jour. Vater, ich segne deinen Namen für diesen heutigen Tag. Et je te rends grâce parce qu'elle est merveilleuse. Und ich bin dir dankbar, weil der Tag wunderschön ist. Je te bénis pour le souffle de vie renouvelé en moi. Ich segne dich für das Atemzug, was du in mir erneut hast. Et parce que tu as décidé de m'utiliser en ce jour. Und weil du ausgewählt hast, mich heute zu benutzen. Je ne suis qu'un vase que tu remplis. Ich bin nur ein Gefäß in deine Hände. Et je veux, Seigneur, être utile, Seigneur, en cette journée. Und ich möchte heute dir heute dienen, Vater. Pour transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Damit ich mit Treue deine Gedanken an deinem Volk weitergeben kann. Alors, Seigneur, prends contrôle de moi et parle à ton peuple. Vater, benutze mich und übernimm die Kontrolle über mich und rede zu deinem Volk. Car il est là pour t'écouter, toi. Weil die da sind, dich zu hören. Au nom de Jésus, j'ai prié. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Ihr könnt sitzen. Je bénis le Seigneur pour ce privilège. Ich segne den Herrn für dieses Privileg. Et le corps pastoral de m'avoir donné cette opportunité. Und den Pastor mir heute die Gelegenheit gegeben zu haben. Avant que je ne prêche, on va lire la parole. Bevor ich predige, werden wir das Wort lesen. Et aujourd'hui, on va le faire un peu différemment. Und heute werden wir es ein bisschen anders machen. Je vais appeler le frère Warren et la sœur Linda qui vont lire la parole pour nous aujourd'hui. Ich werde den Bruder Warren und die Schwester Linda vorrufen, damit sie das Wort Gottes für uns lesen heute. Pendant qu'il passe, vous pouvez acclamer pour Während sie kommen, können wir für den Herrn klatschen. Nous allons lire pour ceux qui sont dans qui ont leur Bible dans Luc 17. Wir werden Lukas Kapitel 17. Du verset 11 au verset 19. Vers 11 bis Vers 19. Luc 17. Lukas Kapitel 17. Verset 11 à 19. 11 bis 19. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais lire le verset. Je vais lire Luc 17, verset 11 à 19. Là, il est écrit. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans le village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'il y allait, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. En rendant gloire à Dieu à haute voix, il tomba à visage contre terre aux pieds de Jésus et il le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas retrouvé comme cet étranger pour revenir, se rendre gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die vor fern standen. Und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden?
die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diese Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Schenk der König des Königs einen Applaus. Reconnaissance. Dankbarkeit. Reconnaissance. Dankbarkeit. C'est le thème depuis ce mois. Das ist das Thema, womit wir dieses Monat gestartet haben. Et aujourd'hui, c'est un dimanche de louange et d'adoration. Und heute ist ein Gottesdienst des Lobpreis und Anbetung. Il est important de connaître ce que c'est que la reconnaissance pour pouvoir louer et adorer Dieu de la bonne façon. Und es ist wichtig zu wissen, was die Dankbarkeit ist, um Gott auf die richtige Art und Weise anbeten und loben zu können. J'aime bien le flyer qu'on a utilisé pour ce thème. Ich mag das Flyer, was wir gebraucht haben für das Thema. On va voir reconnaissance. Und wir werden sehen die Dankbarkeit. Et en français, c'est très intéressant parce qu'on a le préfixe ré. Und auf Französisch ist es sehr interessant, denn wir haben dieses Präfix ré, was kommt. Quand on utilise le préfixe ré, c'est pour dire quelque chose qui s'est répété. Und wenn wir es nutzen, heißt es etwas, was sich wiederholt hat. Ça veut dire j'ai pris connaissance. Es heißt, mir ist es bewusst worden. Et j'ai la reconnaissance. Und ich habe die Dankbarkeit bezüglich etwas. Est-ce qu'on me suit? Folgt ihr mich? La reconnaissance est juste une double connaissance en fait. Die Dankbarkeit ist eigentlich nur ein zweifaches Erkenntnis. La reconnaissance est en fait limitée par ta connaissance. Denn deine Dankbarkeit wird eingeschränkt durch deine Erkenntnis. Je prends connaissance de quelque chose. Mir ist etwas bewusst. Et en fonction de cette connaissance, je suis reconnaissant. Und je nachdem, was für eine Erkenntnis ich habe, dann werde ich dankbar. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ich weiß nicht, ob ihr noch da seid. Si tu ne prends pas connaissance de quelque chose, tu ne peux pas être reconnaissant. Wenn dir etwas nicht bewusst wird, dann kannst du nicht Dankbarkeit sein diesbezüglich. Et c'est souvent notre problème, c'est qu'on ne connaît pas. Und unser Problem ist es manchmal, dass wir nicht wissen. Parfois tu as envie d'être reconnaissant, mais tu ne connais pas. Manchmal möchtest du sogar dankbar sein, aber du weißt nicht wozu. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui. Deswegen das Thema heute. C'est connaissance, reconnaissance. Lautet Erkenntnis und Dankbarkeit. Connaissance, reconnaissance. Erkenntnis, Dankbarkeit. Parce que les deux sont liés. Denn beide sind verbunden. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne connais pas en fait. Du kannst nicht dankbar sein, wenn du nicht weißt. Je prends connaissance de la guérison que Dieu m'apporte. Mir ist es bewusst, dass Gott mich geheilt hat. Et vu que je sais que c'est Dieu qui m'a guéri, je suis reconnaissant envers lui. Und weil ich es bewusst bin, dass Gott mich geheilt hat, dann bin ich ihm gegenüber dankbar. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, mais tu ne connais pas que c'est lui. Es gibt Sachen, die Gott in deinem Leben tut, aber du weißt nicht, dass das getan hat. Et tu ne peux pas être reconnaissant pour Und daher kannst du nicht dankbar sein für solche Sachen. La connaissance. Die Erkenntnis. Reconnaître, c'est connaître deux fois. Zu erkennen bedeutet zweimal zu wissen, sage ich es mal so. Et la reconnaissance. Und die Dankbarkeit. C'est quelque chose de tellement important. Ist so eine wichtige Sache. Que je ne sais pas, quand on regarde même dans le texte, und wenn wir sogar auch im Text lesen, Jésus dit, et les 10 autres, Jesus sagt, wo sind aber die 9? Où sont-ils passés? Wo sind sie denn gegangen? Et les 9 autres plutôt. Und die 9 andere? Et dit, est-ce qu'ils n'ont pas pris connaissance? Und sagt, ist es ihnen nicht bewusst? Jésus les a envoyés chez les prêtres. Jesus hat die Aussätzigen zu den Priester geschickt. Allez vous présenter. Geht und stellt euch vor dort. Et en route, und unterwegs, ils ont tous été guéris. Wurden sie alle geheilt. Et un seul est revenu. Aber nur eins ist zurückgekommen. Mais quand tu suis la parole de Jésus, aber wenn du das Wort Jesus anhörst, il dit, où sont les 9 autres? Sagt, wo sind die 9 anderen? Est-ce que les 9 autres n'ont pas pris connaissance de leur guérison? Sind die 9 anderen nicht bewusst, dass sie geheilt worden sind? Est-ce qu'ils n'ont pas été conscients qu'ils ont été guéris? Sind sie es nicht bewusst, dass sie geheilt sind? Mais la Bible nous dit, tous avaient été guéris. Aber die Bibel sagt, alle
wurden geheilt. Ça veut dire que tous avaient eu la connaissance qu'ils étaient guéris. Es heißt, alle hatten diese Erkenntnis empfangen über die Heilung. Mais un seul est venu être reconnaissant. Aber nur eins ist zurückgekommen, um seine Dankbarkeit auszudrücken. La connaissance se pousse vers l'acte qui était posé. Die Erkenntnis zieht dich zu dem Taten, was gemacht wurde. Mais la reconnaissance se pousse vers celui qui a posé l'acte. Und die Dankbarkeit bringt dich näher zu demjenigen, der den Taten gemacht hat. Je prends la connaissance de la guérison. Ich nehme es wahr, dass ich geheilt worden bin. Mais la reconnaissance m'amène vers le guérisseur. Aber die Dankbarkeit bringt mich zu dem Heiler. Je prends connaissance que j'étais lèpre, j'étais lépreux, j'ai été guéri. Mir ist es bewusst, dass ich aussätzig war und ich geheilt worden bin. Mais pour être reconnaissant, il faut que je rentre à Jésus. Aber um dankbar zu sein, muss ich zu Jesus gehen. Je ne sais pas si tu as compris. Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Tu peux prendre connaissance de quelque chose. Du kannst dir über ein Thema bewusst werden. Mais si tu ne rentres pas vers celui qui a produit, tu n'es pas reconnaissant. Aber wenn du nicht zu demjenigen zurückkehrst, der es aufgerufen hast, dann bist du nicht dankbar. Et je me suis dit, Seigneur, tu les as envoyés chez le prêtre. Und ich sagte mir, Herr, du hast sie zu dem Priester geschickt. Mais pourquoi l'autre est revenu? Il a même été désobéissant. Aber warum ist der einer zurückgekommen? Er wurde sogar ungehorsam, wenn Mais man es so sehen kann. Dit, Aber was er sich sagte, je ne peux pas partir vers le prêtre et dire que j'ai été guéri. Ich kann nicht zu dem Priester gehen und sagen, ich wurde geheilt. Sans dire merci à celui qui m'a guéri. Ohne Danke zu sagen an demjenigen, der mich geheilt hat. Parfois, nous sommes très fans de dire aux autres ce que Dieu a fait. Manchmal sind wir wirklich fan davon zu erzählen, was Gott für uns getan hat. Sans même avoir dit merci à Dieu pour ce que lui Ohne a fait. Dass wir sogar Jesus zuerst Danke sagen für das, was er für uns getan hat. Certes, il t'a envoyé vers les prêtres. Ja, er hat dich zu den Priestern geschickt. Tu vas arriver, tu vas dire que j'étais guéri. Du wirst dort ankommen und sagen, ich wurde geheilt. Et puis, celui qui t'a guéri, lui-même, il n'est pas au courant. Aber derjenige, der dich geheilt hat, der weiß nicht mal davon. Parce que Jésus les a Il ne les voyait plus. Denn Jesus hatte sie geschickt, er sah sie nicht mehr. Il se dirigeait vers le temple. Sie gingen zu dem Tempel. Certes, Jésus connaissait qu'ils ont été guéris. Ja, Jesus wusste, dass sie geheilt waren. Mais il fallait qu'ils reviennent dire, effectivement, en route, on a été guéris. Aber es war nötig, dass sie zurückkommen, um zu sagen, unterwegs wurden wir tatsächlich geheilt. Il y a des hommes qui font des choses dans ta vie. Es gibt Menschen, die Sachen in deinem Leben tun. Faut savoir rentrer, dire merci. Es ist wichtig, dass du zu denen kehrst und sagst Danke. On n'est pas seulement reconnaissant envers Dieu, on est aussi reconnaissant envers des Denn autres. Wir sind nicht nur dankbar gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Menschen. Si Dieu passe par un homme pour te bénir, denn wenn Gott durch einen Mensch geht, um dich zu segnen, sois reconnaissant envers Dieu, dann sei dankbar gegenüber Gott. Mais sois aussi reconnaissant envers le canal que Dieu a utilisé. Und sei auch dankbar gegenüber dem Kanal, was Gott gebraucht hat. La reconnaissance te ramène. Die Dankbarkeit bringt dich näher. À celui qui a posé l'acte. Zu demjenigen, der den Taten gemacht hat, On est reconnaissant en fonction d'un caractère de Dieu en fait. Wir sind dankbar bezüglich einem Charakterzug Gottes. D'une personnalité de Dieu. Wir sind dankbar bezüglich der Persönlichkeit Gottes. Je ne dis pas merci à Dieu pour la guérison. Ich sag nicht Gott danke wegen der Heilung. Ne sois pas choqué. Sei nicht schockiert. Mais je dis merci à Dieu parce qu'il est le guérisseur. Aber ich sag danke an Gott, denn er ist der Heiler. C'est différent. Es ist anders. Parce que quand tu dis merci à Dieu pour la guérison. Denn wenn du zu Gott danke sagst wegen der Heilung. C'est comme si c'était un fait anodin. Ça s'est produit comme ça là. Il m'a guéri aujourd'hui, c'est bon. Ja, heißt es ist nur so, es ist nur ein Zufall. Ja, du hast mich geheilt, das passt. Danke. Mais quand tu dis merci à Dieu pour le, parce qu'il est le guérisseur. Aber wenn du Gott danke sagst, weil er der Heiler ist. C'est parce que tu reconnais le caractère de guérisseur en Dieu. Dann erkennst du in Gott diese Charakterzüge des Heilung, der Heilung. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans 1 Thessaloniciens 5? Können wir im 1. Thessalonica Kapitel 5 lesen? Verset 16 au verset 18. Vers 16 zu 18. Je vais lire pour aller un peu plus vite. Er liest, damit wir ein bisschen schneller werden. Soyez toujours joyeux. Sei immer fröhlich. Priez sans cesse. Betet ohne auflassen. Exprimez votre reconnaissance. Drückt eure Dankbarkeit. En toutes circonstances. Unter alle Umständen. Car c'est la volonté de Dieu pour vous. Denn es ist den Willen Gottes für euch. En Jésus-Christ. In Jesus Christus. Soyez toujours joyeux. Sei
immer fröhlich. Exprimez votre reconnaissance. Drückt eure Dankbarkeit. En toutes circonstances. Unter alle Umstände. J'aime la reconnaissance en toutes circonstances. Ich mag es, dass wir Dankbarkeit ausdrücken sollen unter alle Umstände. C'est-à-dire que ça va bien, que ça va mal, je suis reconnaissant. Es heißt, egal ob es mir gut oder schlecht geht, bin ich dankbar. Mais comment être reconnaissant quand ça va mal? Aber wie kann ich dankbar sein, wenn es mir nicht gut geht? Parce que j'ai dit au début, la reconnaissance vient d'une connaissance. Denn ich sagte am Anfang, die Erkenntnis, die Dankbarkeit kommt von der Erkenntnis. Et en tant que si tu es malade, und wenn du krank bist, et tu ne prends pas connaissance d'une guérison en toi, und dass es dir nicht bewusst bist, dass die Heilung in dir ist, comment être reconnaissant dans ce wie cas? Kannst du denn dankbar sein in solche Fälle? Nous chrétiens, wir Christen, nous ne prenons pas connaissance au travers des actes. Wir werden es nicht bewusst durch Taten. Pas à travers de ce qui se passe en nous. Wir schauen nicht, was in uns geschieht. Mais au travers de notre foi. Aber wir nehmen unsere Erkenntnis durch unsere Glauben. Je ne sais pas si vous avez compris. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt. Est-ce que quelqu'un peut juste balancer sa main? Kann jemand seine Hand bewegen, um mir zu zeigen, dass mitfolgt? On ne prend pas connaissance au travers de la guérison qui s'est produite. Die Erkenntnis kommt nicht für uns als Christen durch die Heilung, die geschehen ist. Mais à travers la foi que Dieu est un guérisseur. Sondern durch den Glauben, dass Gott ein Heiler ist. C'est-à-dire, même si je suis encore malade, es heißt, auch wenn ich noch krank bin, je suis capable de dire merci Seigneur parce que tu es un guérisseur. Kann ich sagen, Gott, danke, denn du bist der Heiler. Même si je ne vois pas encore le chemin, auch wenn ich noch nicht den Weg sehe, je suis capable de me mettre à genoux et dire Seigneur merci parce que tu es celui qui fraye le chemin. Kann ich auf meine Knie gehen und sagen, Gott, danke, denn du bist derjenige, der einen Weg schafft. Je ne dis pas merci parce que j'ai été guéri à l'instant. Ich sage nicht danke, denn ich sofort geheilt mais bin. Parce que je sais que Dieu est un guérisseur. Sondern weil ich weiß, dass Gott ein Heiler ist oder der Heiler ist. Celui qui produit, derjenige, der hervorrufen kann. Je vais prendre un exemple, sir. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Je prends l'exemple de cette caméra. Ich nehme das Beispiel dieser Kamera. On sait que c'est Panasonic qui l'a produit. Wir wissen, Panasonic stell sie her. Même s'il arrête de produire, und auch wenn sie aufhören, Kamera herzustellen, si on prononce le nom de la marque, wenn wir den Namen der Marke sprechen, on va savoir qui produit les caméras. Dann werden wir wissen, dass sie Kamera erstellen. Si Dieu est un guérisseur, wenn Gott ein Heiler ist, même si à l'instant il ne te guérit pas, auch wenn jetzt dich nicht geheilt hat, il reste un guérisseur. Er bleibt ein Heiler. Et par la foi, und durch dein Glaube, je dis merci à Dieu parce qu'il reste un guérisseur même si je ne suis pas guéri. Danke zu Gott, weil bleibt immer der Heiler, auch wenn du noch nicht geheilt bist. Nous attendons toujours être reconnaissant envers des choses qu'on voit. Und wir erwarten es immer dankbar zu sein für Sachen, die wir gesehen mais haben. Mais on peut être reconnaissant par la foi. Aber wir können auch dankbar sein im Glauben. J'aime bien ça pour ceux qui écrivent. Und ich mag das für all diejenigen, die mitnotieren. On veut être reconnaissant au travers des choses qu'on voit. Wir wollen dankbar sein für Sachen, die wir sehen. Mais on peut être reconnaissant par la foi. Aber wir können auch dankbar sein durch den Glauben. Même si ça ne s'est pas produit, Seigneur, je te dis merci. Auch wenn es noch nicht geschehen ist, Herr, ich sage même dir si danke. Mon enfant encore malade, Seigneur, je te dis merci. Auch wenn mein Kind noch krank ist, Herr, ich sage dir schon danke im Voraus. Et Jésus dit, où sont passés les 10 autres? Und Jesus les sagte, wo sind die 9 anderen? Où est-ce qu'ils sont passés? Wo sind sie denn gegangen? Est-ce qu'ils n'ont pas pris connaissance? Wissen sie es nicht? Je vais te poser la question aujourd'hui. Ich möchte dir heute die Frage stellen. N'as-tu pas pris connaissance de la bonté de Dieu envers toi? Ist es dir nicht bewusst, wie viel Güte Gott dir gezeigt hat? N'es-tu pas conscient du souffle de vie qu'il a renouvelé en toi? Ist es dir nicht bewusst, dass sein Odem in dir erneut hat? Et j'aime la Bible à ce niveau. Und ich mag die Bibel auf diese Ebene. Parce que la Bible veut nous faire prendre les lépreux comme un tout. Denn die Bibel möchte, dass wir die aussätzigen Männer als ein Alles nehmen. Il dit, où sont passés les 9 autres? Er sagte, wo sind die 9 anderen gegangen? Au début, il parle des 10. Il n'a pas spécifié Jean, Paul, Pierre. Am Anfang redete über die 10, denn hat nicht spezifiziert, ob es Johannes, Petrus oder Paulus mais war. Mais un seul est revenu. Aber nur ein ist zurückgekommen. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Und Jesus hat mir dieses, Gott hat mir dieses beigebracht. Il y a des fois, il agit tellement dans nos vies. Es gibt Momente, wo Gott so sehr in unserem Leben wirkt. On arrive à être reconnaissant juste pour une chose. Wo wir nur für
Und trotzdem sind wir nur für eine Sache dankbar. Et Dieu te pose la question, et les autres domaines? Und Gott stellt dir die Frage und die andere Ebene. Parce que tu as tellement cherché l'argent. Denn du hast dich so sehr nach Geld gesehnt. Il t'a protégé. Er hat dich geschützt. Il t'a donné la santé. Er hat dir Gesundheit geschenkt. Tu fermes les yeux sur les autres. Du schließt deine Augen auf alle andere Ebene. Et quand tu veux être reconnaissant, tu dis, Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as und donné. Und wenn du dankbar sein möchtest, sagst du nur, hey, danke für das Geld, was et du mir gegeben hast. Et la santé que je t'ai donnée. Und er sagt dir, und was ist mit der Krankheit, mit der Gesundheit, was ich dir gegeben habe? Was ist mit dem Odem, was du hast? Où sont passés les neuf autres? Wo sind die neun andere denn gegangen? Où sont passés les autres domaines wo de ta vie où j'ai agi? Wo sind die anderen Bereiche deinem Leben, où sont passés les autres secteurs où j'ai mis ma main? Wo sind die anderen Bereiche, wo ich mein Hand aufgestreckt habe? Pourquoi tu reviens seulement avec un domaine de ta vie comme warum, si c'est seulement ça que j'avais fait? Warum kommst du nur mit Dankbarkeit bezüglich einer einzigen Ebene deinem Leben, als hätte ich nur dort gehandelt? Où sont passés les autres? Wo sind die anderen? Apprenons à être reconnaissant à lern, tout lass uns es lernen, dankbar zu sein unter alle Umstände. Et pour tout. Und für alles. Dieu aime la reconnaissance. Denn Gott mag die Dankbarkeit. C'est un secret que je te donne. Il aime ça. Das ist ein Geheimnis, was ich dir gebe. Gott mag Dankbarkeit. Et quand j'étais petit, ma mère me disait toujours cette phrase. Und als ich klein war, sagte mir immer meine Mutter. Dis merci, c'est demander encore. Danke zu sagen bedeutet noch zu beten. Si noch tu veux zu demander, bitten. Si tu veux demander à Dieu. Wenn du Gott um etwas bitten möchtest. Dis lui merci. Sag ihm danke. Quand amen. Vous voyez Jésus dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Wenn ihr seht Jesus, der sagt, Herr, ich preise dich, denn du erhörst mich immer. Alors que l'exaucement n'est pas encore là. Obwohl die Erhörung noch nicht stattgefunden hat. En fait, il est en train de demander à Dieu de l'exaucer. Ganz genau gesagt, fragt er Gott, erhört mich bitte. Mais en étant reconnaissant envers ce que Dieu n'a pas encore fait. Aber er tut das, indem er zuerst dankbar ist für eine Sache, die Gott noch nicht gemacht hat. Je ne sais pas si vous avez compris. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Si tu veux la guérison, wenn du Heilung möchtest, un secret pour aujourd'hui, ein Geheimnis für heute, dis Seigneur merci parce que sag, tu m'as guéri. Gott, danke, dass du mich geheilt hast. C'est comme si tu disais à Dieu, es ist so, als würdest du Gott sagen, guéris-moi sans le dire. Heile mich, ohne es wirklich mit Wörtern auszudrücken. Parce que devant lui va dire, celui-ci me dit merci pour une guérison, mais il a la maladie en lui. Denn Gott wird sagen, dieser sagt mir danke für eine Heilung, obwohl er krank ist. Et Dieu va vouloir accomplir sa parole en disant, ah, il faut que je guérisse pour qu'il affirme vraiment en vérité que je suis le guérisseur. Und Gott wird sein Wort zur Verwirklichung bringen wollen, indem er dich heilt und sagt, ja, ich muss ihn heilen, damit er bestätigt, dass ich der Heiler bin. Église les consacrés, Gemeinde, die Geweihten des Herrn, soyons reconnaissants. Lass uns dankbar sein pour ce que nous voyons, für das, was wir sehen, et même pour ce que nous ne voyons aber pas. Auch für das, was wir noch nicht gesehen haben. Soyons reconnaissants, lass uns dankbar sein pour tout ce que Dieu a fait. Für alles, was Gott getan hat. Ce mois-ci, nous avons tellement accompli. Dieses Monat haben wir so viel erreicht. Nous avons eu des voyages missionnaires, wir des haben mariages. Missionarische Reise gemacht, Hochzeit gefeiert. Peut-être il y a des projets dans ta vie que tu n'as pas pu accomplir. Gibt es Projekte in deinem Leben, die noch nicht zur Verwirklichung gekommen sind. Mais sois reconnaissant. Aber sei dankbar. Par la foi. Im Glauben. Je sais que Dieu fera et je te dis déjà merci. Ich weiß, Gott, du wirst es tun und ich sage dir schon danke dafür. Je te dis pas merci parce que tu m'as guéri aujourd'hui, ich mais parce que tu es un guérisseur. Ich sage dir nicht danke, dass du mich heute geheilt hast, aber ich sage dir danke, dass du der Heiler bist. Même si j'ai pas mangé, je sais que tu es le pourvoyeur. Je te dis merci auch parce que tu restes le pourvoyeur. Auch wenn ich nicht gegessen habe, weiß ich, du bist der Fürsorger und ich danke dir, denn du wirst dich um meine Bedürfnisse kümmern. Thessaloniciens dit en toutes circonstances. Im 1. Thessalonica vers Kapitel 5 steht es geschrieben, sagt Dank unter alle Umstände. Peu importe. Egal. Peu importe ce qui arrive. Egal was geschieht. Sois reconnaissant. Sei dankbar. Et cela ne se produit que par la reconnaissance, au travers de la reconnaissance par la foi. Und das ist nur möglich durch die Erkenntnis in deinem Glauben. Est-ce que tu peux te lever? Kannst du bitte aufstehen? Tu vas juste élever tes mains. Du wirst deine Hände bitte erheben. Steh bitte auf da, wo du bist. Erheb deine Hände zu Gott. Et tu vas dire merci à Jésus. Und sag Jesus danke. Je ne connais pas le domaine de ta vie où tu as du mal à donner de la reconnaissance. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deinem Leben es dir schwer fällt, dankbar zu sein. Il y a parfois des domaines de nos vies où on a l'impression que là-bas rien ne fonctionne.
Manchmal gibt es Ebenen in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, dort funktioniert nichts. Tu as même déjà fermé les yeux sur ce domaine. Tu ne pries même plus pour cela. Du betest sogar nicht mehr für den Bereich. Du hast schon deine Augen für dieses Bereich zugeschlossen. Pendant que je parle, je ressens dans mon esprit, il y a des personnes. Und während ich spreche, fühle ich es in meinem Geist. Es gibt Menschen. Qui ont des blessures du passé qui les empêchent d'être reconnaissants. Die Verletzungen aus der Vergangenheit tragen, die ihnen davon abhalten, dankbar zu sein. Il y a des domaines de ta vie où on t'a tellement blessé, où tu as subi tellement de choses, où tu ne sais plus être reconnaissant pour ce domaine-là. Es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du so sehr verletzt worden ist, wo du so viel erlitten hast. Du weißt nicht mehr, wie du dankbar sein könntest. Mais par la foi aujourd'hui, dis merci à Dieu pour aber cela. Im Glauben heute, sag zu Gott, danke. Même si on m'a blessé, Seigneur, je sais que tu es celui qui répare les cœurs brisés. Auch wenn ich verletzt bin, weiß ich, du bist derjenige, der die Herzen wiederherstellen kann. Même si ça n'a jamais fonctionné, je sais que tu es celui qui restaure. Auch wenn es nie funktioniert hat, ich weiß, du bist derjenige, der Wiederherstellung bringen kann. Élève ta voix et commence à prier. Erhebe bitte deine Stimme da, wo dis du bist und fang an zu beten. Merci à Jésus. Sag zu Gott danke. Sag ihm danke. Sag ihm danke mit deinen Wörtern. N'oublie aucun domaine vergiss de ta vie. Vergiss kein Lebensbereich bei dir. Sag ihm danke. Jésus te dit, et les neuf autres. Jesus sagt zu dir und die neun anderen. Où sont passés les autres domaines? Wo sind die anderen Bereiche? Dis merci pour tous les domaines sag de ta vie. Sag danke für alle Lebensbereiche. Parce que quelque part il y a la main de Dieu. Denn es gibt überall die Hand Gottes. Quelque part Dieu a agi dans ce domaine. Denn in diesem Bereich hat Gott auch gewirkt. Dis merci à Jésus. Sag danke zu Jésus. Dis merci à Jésus. Sag danke zu il Jesus. Mérite ta reconnaissance. Er ist es würdig, il deine Dankbarkeit zu empfangen. Er ist es würdig, deine Dankbarkeit et ce matin, zu par la foi, tu recevras ce dont tu und es reconnaissant. Heute früh, durch den Glauben wirst du das empfangen, wozu du dankbar bist. Merci Jésus parce que tu le fais. Danke Jesus, denn du tust es. Merci parce que même si nous ne voyons pas, tu le fais, Jésus. Danke Jesus, denn wenn wir es auch nicht sehen, du hast es schon getan. Merci même si nous ne voyons pas, tu restes le pourvoyeur. Danke Jesus, auch wenn wir es nicht sehen, du bist der Fürsorger. Même si nous ne voyons pas, tu restes le guérisseur. Auch wenn wir es nicht sehen, du bist der Heiler. Même si nous n'arrivons pas, Seigneur, à cerner cela, tu es le Dieu qui restaure. Auch wenn wir es noch nicht unterscheiden können, du bist der Gott, der wiederherstellt. Tu es celui-là qui est capable de donner aux stériles des enfants, Jésus. Du bist derjenige, der wirklich Kinder geben kann zu der Frau, die kein Kind bekommen kann. Tu es celui-là qui peut faire sortir du pauvre un homme riche. Du bist derjenige, der aus dem Armen einen reichen Mann machen kann. Tu es celui-là qui peut restaurer une lignée, Jésus. Du bist derjenige, der eine ganze Generation wiederherstellen kann, Jésus. Tu es celui-là qui peut transformer les choses déjà détruites en nous. Du bist derjenige, der zerstörende Sachen in uns wiederherstellen kann. Seigneur, même si ça nous fait mal, nous disons merci. Herr, auch wenn es uns wehtut, sagen wir danke. Seigneur, même si c'est avec des pleurs ce matin, je te dis merci, Jésus. Herr, auch wenn es mit Tränen sind, sag ich dir danke. Même si la douleur est encore récente, Seigneur, je te dis merci. Auch wenn der Schmerz in mir noch spürbar ist, ich sage dir danke. Même si je sens la maladie me ronger de l'intérieur, je te dis merci, auch Jésus. Auch wenn ich noch die Krankheit in mir spüre, sage ich dir danke. Donne-nous d'être reconnaissants en toutes circonstances. Hilfe uns, dankbar zu sein unter alle Umstände. Donne-nous d'être reconnaissants en toutes circonstances. Hilfe uns, dankbar zu sein unter alle Umstände. Donne-nous d'être reconnaissants en toutes circonstances. Hilfe uns dankbar zu sein unter alle Umstände, Herr. En tant qu'Église, nous te témoignons notre reconnaissance. Als Gemeinde sagen wir dir danke, Jesus. Pour tout ce que tu as fait, Jésus. Für alles, was du getan hast. Pour tout ce que tu es sur le point de faire. Für alles, was du tun willst. Et pour tout ce que tu feras, Jésus. Und für alles, was du jetzt machen möchtest. Nous te rendons grâce pour la croissance de l'Église. Wir sind dir dankbar für das Wachstum der Gemeinde. Nous te disons merci, Seigneur, pour la qualité, Seigneur. Wir sagen dir danke für die Qualität, oh Herr. De tous les domaines de cette église. Die Qualität von allen Bereichen dieser Gemeinde, Herr. Nous te rendons grâce, Jésus. Wir sind dir dankbar, Jesus. Pour les cœurs que tu as réparés. Für die Herzen, die du wiederherstellen hast. Pour les vies, Seigneur, que tu as restaurées en ce lieu. Für die Leben, die du wiederherstellen hast in diesem Ort. Nous te sommes reconnaissants. Wir sind dir dankbar, Jesus. Merci, Jésus. Danke, Jesus. Nous soyons reconnaissants
Lass uns dankbar sein. Tu vas continuer à adorer le Seigneur. Du wirst den Herr weiterhin anbeten. Tu vas continuer à lui rendre gloire. Du wirst ihm weiterhin preisen. Pour ce qu'il a fait pour toi. Für alles, was für dich getan hast. Il demeure Dieu. Ist immer Gott. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que tu attends. Es ist nicht, weil du noch nicht das empfangen hast, was du empfangen möchtest, que Dieu n'a pas fait. Dass Gott es noch nicht getan hast. Parce que le souffle de vie que tu as, c'est lui. Denn den Odem, was du hast, ist Voilà pourquoi David dit. Deswegen sagte David. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Und vergiss nicht seine Güte. Même lorsque tu parles, c'est un bienfait de Auch Dieu. Auch wenn du sprechen kannst, das ist schon eine Güte Gottes. C'est pas parce que tu n'es pas encore marié que Dieu n'agit pas dans ta vie. Es ist nicht, weil du noch nicht verheiratet bist, dass Gott nicht in deinem Leben wirkt. C'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que Dieu n'agit pas dans ta vie. Es ist nicht, weil du noch nicht kein Zeugnis hast, dass Gott noch nicht in deinem Leben gewirkt hast. Parce que ce que tu as, il y a beaucoup qui cherchent. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent ça. Denn das was du schon hast, wollen viele auch haben. La santé. Die Gesundheit. La paix. Frieden. La vie. Leben. Oh, Dieu lui merci. Sag ihm danke. Seigneur, ich t'adore. Je te dis merci. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig. Du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron, sing mit mir. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig. Auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Sing mit mir, heilig. Heilig bist du, Herr. Unser Gott, ist heilig. Heilig, Herr. Und sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Schauen, singe ich zu dir. Du bist heilig. Strahlt so schön. Licht nimmt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Ist der Einzige, du bist der Einzige, denn dieses Lobgebühr heilig bist du. Du bist der Einzige, du bist der Einzige, denn dieses Lobgebühr heilig bist du. Der einzige, denn dieses Lobgebühr heilig bist du. Und ihr Gebühr, mein Lord. Du bist der einzige, denn dieses Lobgebühr heilig.
werden commencé à élever ce nom. Le nom qui est éternel, c'est Jésus. Le nom qui ne change pas. Il demeure Dieu. Quel que soit le temps. Tu vas commencer à élever son nom. Élève son nom. Élève son nom. Le nom qui ne change pas. Le Dieu qui vit à jamais. Adorons son nom, adorons son nom, adorons, adorons, adorons. Adore le nom de Jésus, adore le nom de Jésus. Commence à l'adorer, le nom qui vit éternellement. Le nom de l'Église est. Seigneur, nous adorons Seigneur. Nous élevons le nom qui ne change pas. Tu ne changes le nom qui vit à jamais. Le nom qui demeure. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes rien, Seigneur. Éternel, tu es grand, Seigneur. Et tu ne changes pas. Éternel, tu ne dépends pas, Seigneur. Seigneur, les choses que l'on peut voir, Seigneur. Mais tu ne changes pas, Seigneur. Éternel, tu ne changes pas. Ta parole dit que tu restes constant, Éternel. Et ta parole est vérité. Seigneur, je crois en ta parole, tu es éternel. Ton amour ne change pas pour moi, Jésus. Ton amour ne change pas pour ma vie, Jésus. Éternel, merci, Jésus. Parce que, Seigneur, tu ne changes pas, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Parce que tu es fidèle. Éternel, au-dessus de tous les cieux, Jésus. Éternel, lorsque je contemple les cieux, Seigneur, cet ouvrage de ta main, Seigneur, je ne peux qu'élever ton nom, Jésus. Je ne peux qu'élever le nom de celui qui est encore plus grand que ce que je vois. Alléluia. Ton nom, Seigneur, alléluia. God, my friend, lives on his knees. Ich will dich lieben, mein Leben lang. Du stark und nah, bleibst du bestehen. Ewig bist du. Liebst du uns so sehr,
toujours avec toi. Zu bist anfangen den Gott anzubeten, der immer bei dir steht. Malgré que Job traversait le moment tellement difficile. Obwohl Job durch sehr schwere Zeiten gegangen ist. Mais il dit que je sais. Er sagte, ich weiß. Mon Rédempteur est vivant. Mein Erlöser lebt. Il se levera le dernier. Er wird der letzte aufstehen. Je voulais que tu adores ce Dieu. Ich möchte, dass du diesen Gott anbetest. Qui est toujours avec toi. Der immer mit dir ist. Il est digne de confiance. Er ist es würdig, dass du ihm vertraust. Tu vas lui dire merci. Du wirst ihm Danke sagen. Parce que tu es toujours avec moi. Denn er ist immer mit dir. Même si aujourd'hui je ne vois pas. Auch wenn du es heute nicht siehst. Tu vas agir. Du wirst wirken. Tu commences à prier. Fäng an zu beten. Adore ce Dieu qui est toujours bete avec toi. Gott an, der immer mit dir ist. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur Dieu de gloire. Le Dieu qui est toujours avec moi, quel que soit le temps que je peux traverser. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu étais fidèle, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui ne m'abandonne jamais. Tu as continué à être fidèle. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui se souvient de moi. Et elle ne dépend pas, Seigneur, des choses que nous faisons, Seigneur, mais elle dépend de toi seul, Seigneur. Éternel, ta fidélité, Seigneur. Éternel, nous voulons regarder à ta fidélité et nous sommes reconnaissants. Jésus, nous regardons à ta fidélité, je suis reconnaissant de Jésus. Je regarde à ta fidélité, je suis reconnaissante. Éternel, parce que tu ne changes pas, je te fais confiance. Éternel, parce que tu ne changes pas, en toi, il n'y a aucune ombre de variation, Jésus. D'âge en âge, tu redeviens le même, Seigneur. Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Et cocha la rabasse, mon saut dans le bré. Bla 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 bla, chéché, la rabasse, chante avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chante le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit. Du bist jetzt der Heilige Geist anbeten. Dis-lui merci parce que tu me révèles la volonté du Père. Sag ihm danke, dass du mir den Wille des Vaters offenbarst. Dis merci au Saint-Esprit. Sag zu dem Heiligen Geist danke. Pour les dons spirituels. Für die geistliche Gaben. Merci au Saint-Esprit. Sag zu dem Heiligen Geist danke. Pour la connaissance. Für die Erkenntnis. Pour le discernement. Für den Geist der Unterscheidung. Nous sommes en prière. Lass uns beten. Ô Saint-Esprit, je viens te dire merci, Papa, pour la connaissance que tu me donnes. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir donné la compréhension. Merci, Saint-Esprit. Au travers de ta parole, Jésus. Éternel, tu nous changes, tu nous apprends Seigneur, encore reconnaissance. Merci, Saint-Esprit. Merci, parce que la reconnaissance. Merci, Saint-Esprit. Pour la compréhension. Allez, Saint-Esprit, je te dis merci.